Et bonjour à tous et à toutes, ici c'est Athéna en direct de pas une vidéo de gaming, une vidéo de faits divers. Donc cette vidéo va consister un petit peu à changer un petit peu vos habitudes à regarder mes vidéos. C'est une vidéo donc faits divers et on va parler un peu de tout et un peu des choses obsolètes, enfin des choses que j'ai remarquées depuis quelques temps, je voulais déjà la sortir. Mais malheureusement il manquera un petit quelque chose, enfin il y a quelque chose que j'avais trouvé par accident que j'ai pas réussi à retrouver malheureusement, je suis désolé. Donc on va parler un petit peu des musiques, des choses là. Donc on va arriver au refrain. Après je ferai un petit peu sa biographie, hein, mais écoutez bien le refrain. Déjà il s'est compté. Ah ben non, merde, c'est pas ménard. Ça fait bref. Donc en gros, c'est Patrick Bruel qui est né en 1959. Et là, écoutez ça. Bravo! Alors, c'est même jour, même heure, même pomme. Il s'est donné un rendez-vous dans 10 ans. Voilà, attends, savoir pourquoi. Comme si dans 10 ans, les mecs, ça se trouve, il va être chachou, il sera mort. On se donne un rendez-vous dans 10 ans. Ok, ben ok, le mec, il meurt. Donc, du coup, tu te retrouves au cimetière. Fait mal. Pour ça, à l'arrière, ça me fait un petit peu les couilles. Mais, c'est même jour, même heure, même pomme. Prenez une pomme, je sais pas. Moi, au bout d'une semaine, elle commence à noircir. Au bout de 10 ans. Voici à quoi ça ressemble. Et encore, ça, je suis assez gentil quand je montre ça. Donc voilà. Tous les gens se trompent même jour, même heure, même porc. Non, 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 ça serait trop logique. Il faut mettre même pomme. Ah là 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 là, enfin bref. Rien de dramatique. Donc on va faire vite fait sa biographie. Donc il est né en 1959. Il a été champion de poker en 1998. En même temps que le foot. Alors il est né en Algérie, n'est pas français d'origine. Donc voilà, fait ça, vous trouvez ça facilement sur internet. Mais au moins, si vous pensez qu'il était français, pas du tout. Donc il a pu changer son nom parce que son nom de base c'était un nom à la con, hein, qu'il avait. Enfin bref, rien de bien dramatique. Mais en tout cas, quand ils ont écrit ces paroles, fraîchement, on va retourner donc sur l'une de ses premières chansons qui était... Voilà, il s'est cassé la voix. Bon, ça, la rigueur, bon, on peut pas dire, j'ai rien contre le chanteur à lui-même. Mais le coup de fameux... Même jour, même heure, même pomme. Je pense qu'en fait, c'est pas la voix qui l'a cassé, mais c'était le stylo. Ou alors il était aussi pas très très bien qu'elle a écrit les paroles. Enfin, à mon avis, c'est même pas lui qui a écrit les paroles. Enfin, je n'en sais rien. Et spécialement, je m'en fous parce que j'apprécie quand même le personnage. Enfin, je suis pas amoureux du personnage, comme on dit, je suis pas fan. Hein. Je suis fan rien que d'une seule être sur la planète qui est Lindsay Stirling. Mais, enfin, fan. J'ai failli me foutre trop violent, mais tout le bordel quand même. Hein. Enfin, ça m'aurait pas dérangé du tout. C'est juste que bon, j'avais des sous à l'époque pour acheter un violon, ça coûte pas non plus, c'est un des milieux. Mais bref, on s'en bat les roues. Donc Patrick, tu n'étais pas cassé la voix. Comme diraient les femmes, tes fans et tout, au début c'est Patrick. Non, pas du tout. Elles se sont peut-être cassé la voix et plus qu'autre chose, hein. Pas que la voix peut-être. Hein. On en parlera tout à l'heure. Hein. Donc voilà ce qui est pour Patrick Bruel, à ma vie, voilà comme j'expliquais. Donc le défaut c'était pas la voix, c'était l'écriture, donc c'était le stylo. Donc voilà. En plus, sport, ça aurait été plus court, enfin bref. Voilà, il n'y a rien non plus de voilà. Donc nous allons passer sur la prochaine chanson qui a fait aussi un carton international pour mon époque. Voici tout de suite la musique. Et voilà la musique tant attendue. Kiss me. Pardon, excusez-moi. Donc c'est Kiss Me du groupe, alors là le nom du groupe ça déchire tout, c'est Sixpence Now The Richer. Enfin il s'est riché, je sais pas. Mais à mon avis ils étaient quand même complètement pétés quand même pour le nom du groupe, excusez-moi, mais bon. À mon avis ils étaient, ils sortaient de boîte ou je sais pas quoi, le matin à 8h le mec il téléphone, ouais il me faudra un nom de groupe pour que ça fasse un carton pour l'audience et tout le bordel. Elle a dû regarder, ou ils ont dû regarder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 6, 6, yeah. J'ai bien mangé, pas un seul, 6 pence.
Oui, bon, j'essaie de trouver des mots comme on peut. Hein. Il y avait une nonne aussi là-bas. Et après, The Richard, c'était qu'ils étaient bien déchirés. Hein. Richard déchiré, Riché, bien déchiré. Enfin, bref, on s'en bat les cougouilles. Donc, en fait, en gros, ils ont un nom complètement à rallonge. Ça fait rien de grave non plus. En même temps, le titre est court, c'est Kiss Me. Hein. Embrasse-moi en français. Donc. Cette musique, donc, elle a été prise pour aussi le film de Elle est trop bien, film tout simplement d'adolescents, de lycéens, pour l'époque, ça fait un bon carton, quoi. Même moi, j'ai apprécié le film, je trouvais le film original, et avec un peu d'humour et tout, et sûrement pour ceux qui connaissent plus, il y a eu la parodie de ce film-là, de Sex Intention, donc voilà. Donc, je suis allé un peu plus loin. J'ai traduit la chanson. La chanson. Vous dites, ouais, machin. Bon, en gros, il y a beaucoup d'embrassements, machin et tout. Non, ça va pas que là. Pour vous résumer, voici à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pas la trompe du haut qui nous intéresse, c'est la trompe du bas. Donc, voilà. Ou encore mieux, il y a celle-là. Observez bien la femelle. Le mâle, il se repose tranquillou au soleil. Et la femelle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se faire tirer. On arrive à ses fins. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Il y a le petit. Maintenant, il y a la petite chanson que j'ai faite moi-même. Hein. Comme je ne vous ai pas dit au revoir dans la chanson, je vous dis au revoir maintenant et ciao ciao à la prochaine! En parle-moi, oh oui, prends-moi sauvagement sur cet auto. En parle-moi, t'as qu'à remplir tous mes organes et j'ai